Castri, du bist am Trainieren auf dem Platz. Wie geht es dir? Ça va super bien. C'est toujours un plaisir de revenir sur les terrains, de toucher les ballons. Je suis vraiment content parce que je retrouve aussi l'équipe. Bien sûr que je fais un petit peu les premières parties, je touche un peu le ballon avec eux et travaille de passe. Mais je suis super, super heureux aujourd'hui. Dein letzter Einsatz ist lange her. Er war im September. Du warst auch kurz vor dem Comeback. Es gab dann einen Rückschlag. Es war eine sehr lange Leidenszeit, die hinter dir ist. Oui, bien sûr que c'était une longue période de souffrance. De un, parce que c'était des blessures assez compliquées. À chaque fois que je suis sur le point de revenir sur le terrain, je me suis refait mal. Deux, trois fois, trois fois de suite. Et ensuite, la deuxième souffrance, c'est de voir l'équipe jouer et que moi, je ne peux pas pouvoir être sur le terrain et de les aider. C'est ça qui a été le plus compliqué. Mais bien sûr que pendant un certain moment, on réfléchit énormément à la maison de comment est la situation. Mais comme on dit, c'est des épreuves comme ça qui nous font grandir et qui nous font revenir plus fort sur le terrain. Wie bist du mit diesem großen Rückschlag im November umgegangen? J'aimerais dire que c'est des choses qui arrivent. Voilà, je pense que j'étais pas vraiment prêt à 100% de reprendre. Je me sentais super bien, mais mon corps n'a pas bien réagi. Et voilà, après on retombe dans la blessure et puis c'est compliqué, c'est très compliqué parce que voilà, on a envie de jouer des matchs, que ça soit la compétition en Champions League ou bien l'Europa League ou bien le championnat, et que on tombe trois fois de suite sur une blessure, c'est très compliqué. Mais voilà, l'équipe, le staff, ma famille, mes amis. Ils ont toujours été là et puis ils m'ont toujours aidé à garder le moral à 100%. Le fitness et tout ça, moi j'aime pas trop, mais on est obligé. Quand on travaille en salle, c'est toujours quelque chose qu'on voit après sur le terrain. Ça veut dire que si tu travailles beaucoup en salle, sur le terrain, ça va payer automatiquement. On a des super physios qui nous entraînent, qui nous donnent envie d'être là, qui nous poussent tout le temps. Et ça, c'est important. Man hat das Gefühl, du bist ein sehr positiver Mensch. Wie schwierig ist es, positiv zu bleiben? Non, comme tu as dit, je suis quelqu'un de positif, même dans le négatif, j'essaye de voir la chose positive. Comme on voit, il y a tout le temps 2-3 joueurs qui sont dans la salle, que ce soit avant l'entraînement ou après l'entraînement. Et c'est ça qui est positif, on rigole tout le temps, on s'amuse, on danse. Et en fait, il faut rester dans la bonne humeur et travailler en même temps, mais toujours concentré, bien sûr. Aber es muss sehr schön sein, wieder draußen auf dem Platz zu stehen. Ouais, bien sûr, bien sûr. On a hâte de revenir sur le terrain. Regarde-le, lui là-bas, regarde-le. Joël. Joe, lâche un pas de danse là. Putain, purée. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. La bonne humeur. Et on travaille, mais en bonne humeur. Ah là là. C'est des longs mois, beaucoup de training. Et c'est aussi un peu solitaire. On n'est pas avec l'équipe, seulement avec le staff médical, les physios. Je travaille seul. Bien sûr que ça fait énormément mal de voir tout le monde aller sur le terrain et que toi, tu dois travailler tout seul. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de force mentale. On pense à plein de choses, qu'on ne peut pas bouger la jambe, qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas aller, je ne sais pas, faire à manger ou bien faire ce qu'on aimerait faire d'habitude. C'est très compliqué, ça touche vraiment le moral. Je dois remercier aussi énormément l'équipe, le staff, la famille, les amis, tout mon entourage était présent et ça m'a permis de ne pas vraiment beaucoup réfléchir à la situation et à vraiment travailler tous les jours pour essayer de revenir au maximum. Maintenant, ton retour est prêt. Comment c'est la confiance en ton genou? Comment sent-il ton genou? Franchement, je le sens beaucoup mieux que lors de mes rechutes. Et c'est ce qui me met une bonne confiance en moi et en mon genou. Mais voilà, c'est toujours des craintes parce que quand on tombe trois fois sur la même blessure, on ne veut pas se reblesser au même endroit. Mais il faut le moins penser et puis c'est compliqué, bien sûr. Mais j'essaye de pas beaucoup y penser et d'être sur le terrain, à 100% sur le terrain et pas penser à ce genou, quoi. Alors, nous sommes impatients de te voir jouer sur le terrain. Merci Castri et bon courage. Merci beaucoup.